d'abord de parler tout le monde au CEA qui a au complet, en même temps que journalistes qui déplacent venir pour nous capables d'assister à ces moments. Nous dit, c'est un mara qu'à côté que justice là, je sollicite lui lorsque il a fait genre de travaux ça, parce que nous connaissons la constitution de 27 là, comment il était fait, comment il était assemblé à chaque. De temps à autre, toujours des lois qu'on apprend, et assez souvent, c'est un SPJ pas consulté. Même moi, c'est des fois où on écoute qui très, de très peu d'importance sur la cabane. On nous connaît jugeant, c'est eux-mêmes qui pas, qui nous payent. Et c'est des fois, c'est eux-mêmes qui soutiennent. C'est eux-mêmes qui connaissent les difficultés qui ont pour voir telle loi appliquée. C'est eux-mêmes qui ont une faiblesse là. Auprès que la Constitution 87 ans, il y a une phase qu'on dit. Lorsque, par exemple, au niveau cours de cassation, vous voyez, on ne compte que gagner telle faiblesse, telle loi, on doit faire part de ça à un président de la République du devant Parlement. C'est pour vous dire que, jugement, c'est eux-mêmes qui piquent vos motions dans l'application de la loi. Or, assez souvent, ils n'ont pas consulté, ils n'ont pas rendu compte de ça qu'ils font, et ils l'ont pour eux-mêmes pour interpréter, ils ont interprétation que la société a confirmé pas d'accord, ou bien même qui chita qui fait loi qui pas d'accord. Mais je dis, nous-mêmes, nous avons privilégié ça pour que, il te fait nous assez de confiance, savoir la commission qui travaille sur le Parlement pour demander nous pour nous travailler. Nous travaillons et nous venons avec le travail, nous, côté que nous faisons proposition pour nous bailler actuellement là, en présence de tout le monde. Mais nous disons en présence de tout le monde, en présence de commission et en présence de journalistes, quand on fait toute société à Koneko, c'est ce que j'ai dit, fait travail par là. Nous estimons qu'on nous fait œuvre qui vaille. Oui, nous disons nous fait œuvre qui vaille, puisque dans bon côté par nous, tout ça qui constitue faiblesse, nos constitutions à un niveau pouvoir judiciaire, nous dénoncer et nous faire proposition. Et en tant que citoyen, nous allons plus loin, puisque il y a des bails qui sont dans la constitution, que nous ne sommes pas d'accord avec nous tout, et nous faisons des propositions pour nous. Nous estimons que nous travaillons et nous assurons que la commission nous prend en considération toute critique qui a porté dans la constitution 27 là, que l'a amendé ou pas. Merci. Je dis à président de la commission, nous travaillons justice là. Lui-même, avec toute l'équipe, il y a pas Lili, et nous a souhaité que ça qui gagne en dedans, et ça que nous présentons à nous rendre compte qu'effectivement, lui vient situé dans la Constitution. Et si il y a un remarque qu'a fait, si il y a des balades, nous avons toujours souhaité rencontrer pour nous discuter sur encore, pour. À l'avenir, nous parlons nous compte que tout ça nous dit, toutes les raisons que nous faisons, on ne va pas faire. Parce que assez souvent, ça va nous faire, qu'on utilise la justice, nous venons nous chita, nous faisons journée, nous manger, nous boire, nous travailler, nous faire proposition. Et par la suite, on va nous compte que par un et un sorti, qu'on joue la donne. Mais nous avons que cette fois-ci, c'est pour de bon que l'empreinte de justice vient insérer dans la Constitution à l'aide de propositions, ça que nous-mêmes nous faites là. Merci. Merci. Bon travail. Merci. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Chers membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, honorables collègues députés de la 50e et membres de la Commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, député Raymond Rival, député Jacob Latortue, député Jacques-Michel Saint-Louis, député Daniel Letton, député Paul Cyprien, député Ronald Etienne et notre ami député Peter Castel-Constantin. Cher Jean-Robert Constant, secrétaire technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire,
Mesdames, Messieurs de la presse, merci de votre présence. C'est avec un peu de plaisir et un peu de satisfaction que nous recevons au nom de la commission spéciale sur l'amendement constitutionnel, document Conseil supérieur pouvoir judiciaire qui fixe ses positions pouvoir judiciaire sous question amendement constitutionnel. Ça fait de cela plusieurs mois, nous devons premier atelier de travail et nous remercions Conseil supérieur pouvoir judiciaire qu'il a fait suivi. Il a démonté une équipe technique, il a démonté un comité technique qui a travaillé sur le document ça que nous recevons aujourd'hui. Ma bonne assurance, Madame la vice-présidente, ma bonne tout conseil là, assurance que la commission apprend proposition ça très au sérieux. Nous avons double mission, Madame la vice-présidente. Nous sommes mariés avec ça. Pays, institutions, secteurs comprennent de manière à pays. Et l'autre aspect là-dedans, c'est le travail que nous allons faire pour nous ramasser toute la réalité pays et qui nous lie à défi qu'attend nous dans le futur. Le 29 mars 2018, Constitution Bralguée 31 ans. Cette date symbolique, ça, Madame la vice-présidente, que nous-mêmes, la commission, nous choisissons pour nous présenter PIA, ça nous mêle un rapport d'étape. Rapport d'étape là, qui s'allie, n'a informé la nation de tout secteur que nous rencontrons et de qui ça nous dit nous, qui ça nous partage avec nous, qui recommandations que nous faisons. Et à partir du rapport d'étape, ça, commission, avec experts, dont l'expert senior qui est ici présent, le docteur Louis Pierre, l'historien et constitutionnaliste Claude Moïse, qui est la référence avec laquelle nous travaillons sur le sujet, n'a pas pu être présent malheureusement, il est en voyage au Canada. Et mais avec un ensemble d'experts, de consultants, de conseillers, nous parlons travail pour nous formuler des propositions d'amendement. Je nous te dis le matin, la commission va faire des propositions d'amendement et c'est des propositions d'amendement qui peuvent voter par la 51, mais ça nous demande des sociétés, ça nous demande des conseils. C'est qu'une fois que le rapport nous a sorti, nous allons mettre le rapport encore. Le rapport, c'est le rapport société, parce que nous travaillons en fonction de sa société à dire. Donc, nous avons compté sur le conseil là, le vice-président, nous avons compté sur la société A, nous avons compté sur l'observateur à Visio, nous avons compté sur tout secteur qui a participé à Visio pour nous forger l'opinion publique là, pour nous conditionner l'opinion publique là, de telle sorte que le amendement ça a eu pour voter, et bien, parlement, donc député avec sénateur, a bien ça nous des prédispositions favorables pour voter. Encore une fois, Madame la vice-présidente, merci de ce que vous avez invité commission pour recevoir officiellement mon geste symbolique document ça. Nous dit que le symbolique, mais l'historique tout, puisque nous pensons, je ne dis le matin, nous réunions en cette fermée que nous tenions. C'est une fois peut-être que le pouvoir, donc le pouvoir judiciaire, j'ai une possibilité pour nous rencontrer avec un autre pouvoir, qui est le pouvoir parlementaire, pour nous dire mais comment il y a une question amendement constitution. Encore une fois, merci un peu au nom de la Chambre des députés, de la 50e législature, de la Commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Merci pour votre travail à nous et merci. C'était clair pour tout le monde qui comprend les réalités, les compréhensions anciennes BIOA. Et je pense que le président Chauzet, c'est un monde que tout le monde veut rendre hommage par rapport ou encore son monde qui méritait une place spéciale, surtout dans la Chambre des députés, par rapport à travail, par rapport à sagesse ou encore compréhension. Et ça te permet nous-mêmes nos bureaux rapidement, nous arriver dans la question élection. Et où ça t'est passé avec un peu de sérénité et un peu de compréhension, et tout le monde t'a accepté, ça qui gagne accepté ou rien, ça qui perdu, il a accepté ou perdu. Je pense que c'est un jeu démocratique et
ça montre nous-mêmes dans l'espace panouan, et nous avons prôné, nous avons dit, nous avons vivre dans l'état démocratique, nous-mêmes nous baillons le ton, nous baillons les sons, surtout à l'autre entité et encore l'autre institution et démocratique et en pays. Attendre nous de bureau ça, c'est que nous croyons que le bureau ça pourra continuer bon travail, et tout bon travail député ancien bureau qui a gagné en tête les députés et Charles Sensi t'a fait pendant deux dernières années ça yo, et surtout que et collègue Gary Bodo t'a collaboré avec le comme ancien questeur sécurité politique et il gagnait assez de bagages pour que les menaient et bureau ça à bon port. Donc on croit que et bureau ça a tout pour mettre lui au travail pour que gagnons il y a plus harmonie toujours, on parfaite collaboration avec les deux autres pouvoirs, judiciaire et exécutif, là, que nous avons gagné une relation, donc une relation, ça, bonne relation, ça, que les continuer sous même lancée, parce que nous croyons que c'est celle, les trois pouvoirs, entendre, yo collaborer entre eux, que la population lui-même capable de jouer une amélioration dans les conditions qu'elle vivent, qui, je ne veux dire, qui est très précaire. Donc, nous attendons que le bureau, ça, pour plus prolifique tout en termes de 13 textes de loi votés, en termes de contrôle et action gouvernementale, là, les quoi faire plus toujours. Donc, parce que je nous dis là, les gars dans la tête, il y a un ancien membre bureau qui a gagné 2 ans, qui a assuré pour ce question, qui lui-même sont jeunes parlementaires qui, dès qu'a dit, il y a pile. Et potentialité, en plus de capacité qui apprend rapide, qui est capable de continuer bon travail et collection de gens. Nous, comme député, c'est que même motivation ça que tu as gagné dans ce bureau, côté effectivement, il y a plus en trentaine de textes de loi qui votent dans ce bureau. Et nous souhaitons que dans le nouveau bureau, ça, il faut que tu aies plus. Travail qui fait et surtout nous demandons, nous voyons un message par les collègues nous autour, faut qu'ils soient toujours venus à l'heure dans la séance surtout, qui permettent pour nous capables de faire le bureau, les ça n'a pas plus de temps pour nous capables de faire travail à bien et nous demandons tout et nous voyons au conseil par les collègues Gary Bodo, ça veut dire que communauté qui est pendant 2 fois, ensemble avec le président ancien bureau, lui-même, il faut gagner même aptitude ça, par rapport avec Jean-Charles qu'on a dirigé la séance, pour toujours maintenir la capacité d'équilibre là, laisser à me penser que cap meilleur pour l'Assemblée, pour le pays, là, et puis vraiment nous capables de gagner, attendre que nous gagnions plus de textes de loi qui votent. Et pouvoir de contrôle noir, on passerait à faire mieux. C'était une journée très, très, très démocratique et même une journée historique parce que normalement, on a un nouveau bureau qui va prendre la Chambre des députés. Hein. Mais il faut vous dire que l'ancien bureau, c'est un ancien bureau qui a fait un pile travail avec le député Joseph Chancy qui passait 2 ans. Dans la tête ancien bureau et qui te font un travail très sérieux parce que non seulement les noms fait venir là, les noms entrer dans le Parlement, tu as un problème de 39 députés qui étaient indexés par la commission. Député Charles Chancy en tant que président, tu défends les députés, tu défends la Chambre des députés, corps et âme. Donc, il faut nous dire que normalement, expérience. Député Charles Chancy, en tête ancien bureau, était vraiment très très permettre que bureau ancien bureau était très productif. C'est un bureau que eh bien nous te prenons le temps pour que nous soyons capables de arriver avec bureau ça. Et bon, c'est que c'est un bureau qui va continuer travail parce que il y a un pile travail qui était pour faire et on pourrait et président Charles pendant 2 ans mandat. Eh bien, pendant la quitté bureau, hein, il quitté là avec une trentaine de lois qui sont déjà déposées au niveau de la Chambre des députés. Et je pense que le nouveau bureau ça, il va travailler avec les présidents des commissions pour qu'ils soient capables de présenter des rapports, pour que l'Assemblée soit capable d'avoir éléments dans le même pour la troisième année législative, là, eh bien, pour que le 50e soit capable de voter eh bien, plus de lois
par rapport avec l'année qui passait. C'était un très bel exercice démocratique. Et tout le monde a gagné espace pour fait et promotion de vision yo, pour la Chambre des députés. Tout le monde a fait campagne yo, à travers les différents blocs politiques qui existaient dans le Parlement. Mais c'est sûr que mon guide fait d'une part meilleur poste. Mais ça qui est sûr, c'est que toute tendance est représentée dans le bureau. Hein. Ça qui fait que gagner encore forte possibilité à ce que les statuts, ça continue la production législative, bien entendu. Et nous abattons à ce que le président ou bien nouveau bureau ça à l'œuvre et que pour rendre la Chambre des députés très productive pour l'année. C'est avec un pile tristesse que ma intervention d'aujourd'hui en faveur de la population sinistrée Villeroy de Péa et que m'a profité de présenter toutes ces parties à tout le monde qui est victime, ni monde qui mourit, ni monde qui a un caille qui est crasé net, ni monde qui a un caille qui est endommagé. Et ni même qui est de l'eau entre la caillou qui va encore jamais arriver et déblayer. Je pense que c'est une occasion pour plaider en faveur, encore une fois en faveur, et ville Port-de-Paix, pour ne pas dire commune Port-de-Paix même, parce que dans le week-end se passé là, est un pays perd en vie humaine, donc tête de bétail qui est emportée, donc c'est une situation vraiment catastrophique. Nous-mêmes, en tant que députés Villeroy-de-Paix, nous pensons que le temps pour le gouvernement prend responsabilité pour intervenir en urgence. C'est pas une question de temps de caravane, ça, et c'est une intervention urgente pour qu'il fait pour permettre à ce que la population commence à sentir présence. L'État senti assistance l'État bon côté. Bien content que le ministère de l'Environnement que nous avons fait intervention bon côté, et bien prend responsabilité pour dans jour qui vient là à curer canal de Médislan qui permet que plus fort caille dans rue Caprois dans zone et où elle valière sous canal inondé. Ville inondée, ville vient tourner en rivière, ou pas qu'on connaît qui est-ce qui rivière, qui est-ce qui ville. Donc, le ministère de l'Environnement prend au mot, parce que dans 15 jours, et avec l'ingénieur Makeli, que nous avons accompagné auprès du ministère de l'Environnement, il vient pour déposer le document pour GA, je pense que le canal n'a pas le curé, et que même si on l'a plus tard rebondi, tombé encore, parce que pour la papinomie. C'est très très difficile pour la ville du Cap-Haïtien. Pendant que nous tous avons parlé de bureau, nouveau bureau pour la Chambre des députés, moi-même comme député Cap-Haïtien Jean-Étienne, c'est vraiment coup dur. Là, on regarde les gens qui sont dans la cité Blue Hills à vivre. Nous savons que nous avons fait noir au Cap-Haïtien, ça peut tomber. C'est vraiment coup dur. Ouais, à qui hauteur de l'eau rentre la Caïmounio. Et ma ingouée à Pneumounio, c'est que je fais appel à ministère de la Santé publique. Je fais appel à ministère de l'Environnement, appel à ministère de la TPTC pour me dire la ville du Cap-Haïtien. Gouvernement en général, c'est vrai que caravane vient avec quelques matériels lourds, nous avons vivre, mais nous voulons rapide presto pour le président passer l'ordre, pour la délégation, les directeurs régionaux capables de mettre les matériels au service des populations. Nous gardons mon du fort, gardons mon Gaba, mon zone 5, et nous avons la vie tombée, toute zone 5 inondée, la boue. Par contre, je vais voter Fatra, et puis je dis, nous sommes votés Chambre des députés, nous sommes votés bureau Chambre des députés, nous avons voté 7 membres, et maintenant je dis, côté bureau à la terre pour accompagner le gouvernement pour être capable de jouer un service à chercher. C'est ça. Le plus gros problème dans le Cap-Haïtien, c'est l'environnement et puis le service que nous avons joué. SMCAS, la mairie et les conseils de MTPTC nous demandent la main forte pour débloquer le Cap-Haïtien. Ça, je dis, aux abois, parce que. Et moi, comme député, vraiment senti dans une situation très difficile. La solution aujourd'hui, c'est nous pas attendre encore car avant 7 février. Nous pas attendre encore. La solution aujourd'hui, c'est que le ministère, le ministre de l'Environnement, TPTC et le ministre de l'Agriculture, c'est fort. Alors, il faut chacun jouer au rôle par eux. Draguer rivière du Cap, rivière Rani qui est dans le dos aéroport, voir tout rivière dans la mer. Rivière du Cap, c'est arrivé au 5 boulevard. Et puis, nous canaliser Villan.
maintenant n'a regardé côté rebrasement qu'a fait dans monde non empêcher moun yo k'a fait ti kayo sou canal yo pour au moins nous sauver ville cap haïtien ville cap haïtien ville à risque yo parle de tremblement de terre si c'est vrai ça arrive un jour n'a perdu ville là et pour ne pas perdre ville là faut tout pour mettre maintenant pas de plan ça fait que dit président Jovenel Moïse qui ou même son président k'a travail tout bon vrai pour aider population hein? Mes amis nous pas attendre 7 février parce que bagay la dur ça fait que je dis que nous mettons bureau dans chambre des députés que bureau d'après nous mêmes qui ca travaille qui parle voter des lois des propositions de loi des projets de loi permettant situation débloquée mais avant tout ville cap haïtien nous pas attendre encore n'importe qui goutte la pluie nous avons parlé gros français là et bien ville là inondée et avec tout ça nous connaît café cap des problèmes m'a tout dit à mairie cap haïtien comme nous travaillons deux communs d'accord pour nous commencer par avec commerçants yo cap importer produits plastiques yo pour tout le monde comprendre bouteilles yo et bien cap bouger tout caniveau yo mon cap pied bois yo ministère environnement lever la main c'est tout ça me dégue pour me dire aujourd'hui parce que avec taxe malheureux force service des joindre toute couche spécialement moun nan nord moun cap haïtien. Par l'Haïti et dans notre cas concret de la composante police par la PNH. Et je dois vraiment remercier le très chaleureux accueil que le directeur général de la police nationale de Haïti, Michel Angédion, m'a rendu hier. Nous avons eu une excellente réunion de travail, mais aussi amicale. Et particulièrement, je veux le saluer par son travail sans relâche et le travail sans relâche que la PNH fait pour maintenir l'ordre public et bien sûr au sein des communautés locales. Comme vous savez, le mandat de la mine juste a trois piliers principaux et le soutien au développement de la police nationale Haïti, aussi bien sûr l'appui à l'état de droit et les droits de l'homme, c'est aussi des autres parties, mais je suis plus concerné en ce qui concerne la police nationale de Haïti. Comme vous le savez, nous avons la police nationale d'Haïti un plan de développement et de stratégie de développement 2017-2021 avec 5 axes concrets au niveau juridique, institutionnel, de commandement, de contrôle, de l'administration pénitentiaire et dans cet plan stratégique, la police des Nations Unies accompagne et aide et soutient la police des Nations Unies soutient bien sûr la police nationale d'Haïti dans la mise en œuvre du plan. Parallèlement aussi, et comme vous le savez, on continue à apporter un appui opérationnel, comme nous a ordonné la résolution du Conseil de sécurité qui établit la MINUJUST. Alors, la composante police de la MINUJUST continue à apporter un soutien opérationnel à la police nationale d'Haïti et bien sûr au niveau de la protection civile directement à la population. Et ma visite a été bien sûr dans cet cadre global pour améliorer, bien sûr notre but c'est toujours d'améliorer la qualité de vie de la population et dans cet cadre la composante de police sous la direction de notre représentant spécial en coordination avec les autres piliers. À l'interne, je me rencontre ici avec mon collègue de droits de l'homme, du côté juridique, de la partie politique, ainsi aussi bien sûr de l'information publique, parce que c'est dans cet ensemble la police nationale d'Haïti et à la population haïtienne dans son ensemble. Enfin, a été aussi à l'interne pour apporter un mot de motivation à les contingents de police et remercier les pays contributeurs de police pour la mine juste, que sont des personnes qui sont déplacées de ces pays, qui viennent ici, et c'est aussi mon obligation en tant que conseiller de police,
Comme l'a dit Sophie, j'étais récemment nommé le 1er novembre 2017. Mais pour moi, j'ai choisi exactement la même juste comme la première mission parce que c'est la plus nouvelle mission des Nations Unies. Et aussi, c'est une mission qui est dans mon cœur parce que j'ai servi ici en 2013 et en 2014. Et je suis très ravi de revenir en Haïti et de témoigner une évolution très positive au niveau global. À participer à la planification, comme c'est son mandat, et à cette opération, nous avions un rôle périphérique. Les forces de police de la MINUSUST n'étaient absolument pas impliquées dans cette action périphérique qui a amené à des exactions. Les forces de police de la MINUSUST qui étaient en retrait ont assuré essentiellement les premiers soins donnés aux blessés de la PNH. Mais nous n'étions pas impliqués dans cette exaction. Il faut être extrêmement clair et arrêter de tourner autour du pot. Nous sommes en charge de soutenir opérationnellement la PNH. Donc dans la planification de cette opération, nous avons notre partie prenante. Ce qui s'est passé à Grande Ravine, c'est une opération de police visant à arrêter les malfaiteurs. En marge de cette opération, s'est déroulée une situation unilatérale menée par un groupe du Nouveau, comme vous le savez, dans lequel nous n'étions absolument pas impliqués. Ce sont des gens qui ont pris la décision d'agir sans référer à leur hiérarchie et commettre des choses qui ne sont pas conformes au droit et à l'éthique de la police. Simple. Par ce plan de réponse humanitaire révisé pour 2018, les axes présentés devant vous correspondent aux orientations du gouvernement et des acteurs de la société civile. Nous devrions continuer à travailler ensemble pour avoir de meilleurs impacts avec de meilleurs plans de communication aussi, afin de permettre aux populations du pays de mieux comprendre les supports apportés. Au nom du pays encore, nous invitons les partenaires techniques et financiers de supporter les demandes de ce plan, de supporter rapidement, pas attendre à la fin pour supporter et en demi-teinte. Je pense qu'un déficit de support pourrait compromettre la mise en œuvre et de ce plan qui a un fort potentiel pour porter le changement et réduire la vulnérabilité de plus de 2 millions d'Haïtiens. De ce genre de support. Nous n'avons pas de situation humanitaire et les effets des différents désastres passés affectent toujours plusieurs millions d'Haïtiens dont le plan vient de le montrer. Nous encourageons aussi les acteurs d'implémentation de ce plan de travailler de manière plus étroite avec l'État haïtien, mais aussi avec les acteurs de la société civile haïtienne. Le CLIO étant un réseau d'organisations haïtiennes et internationales composé de plus de 70 organisations, nous aimerions que le CLIO joue un rôle de partenariat dans la mise en œuvre de ce plan et nous invitons tous les acteurs à travailler en coordination, créer plus de synergies et avoir de meilleurs impacts pour 2018. C'est cette difficulté que nous avons d'assurer une continuité dans le financement du risque et de la demande humanitaire.
et qui pose la question du nexus, de l'intégration, du développement et de l'aide humanitaire, qui est l'élément essentiel pour éviter qu'on répète indéfiniment ce type d'exercice. Le nexus est quelque chose de difficile. Au début, ça fait pas longtemps, c'est suite à la conférence d'Istanbul. D'abord, j'ai pensé que c'était une nouvelle maladie, mais en fait, non, pas du tout. C'est cette volonté de vouloir intégrer dans nos programmes à la fois la prévention, la gestion, l'urgence et le développement. Et c'est par ce biais-là que nous réussirons à pouvoir, je dirais, travailler sur cette nécessaire continuité entre l'urgence et le développement. Mais il ne faut pas se faire des illusions. Ce nexus est un exercice difficile. Difficile par rapport à nos institutions, où les centres de décision ne sont pas les mêmes, où les mécanismes de formulation et de relevabilité ne sont pas les mêmes à l'intérieur déjà de nos propres institutions. Et ça prendra du temps. Et ça prendra du temps pour avoir... C'est vrai qu'il y a un symbole si on tient aujourd'hui le lancement à la veille de la commémoration du 8e anniversaire du tremblement de terre, et sur lequel d'ailleurs n'apparaît pas forcément encore un certain nombre d'éléments, entre autres sur les noms replacés, 60 000 souffrants, 60 000 personnes sont encore dans des abris précaires. Donc on le voit, c'est un travail de longue haleine et qui va nécessiter aussi cette capacité de nos institutions à pouvoir se modifier. L'autre élément que j'aimerais soulever, c'est que ce document est intéressant, mais il met les donateurs au centre. Or, c'est Haïti qui doit être au centre. Et c'est la politique gouvernementale qui doit être au centre. Monsieur le ministre coordonne cette politique gouvernementale, et je pense que il est important, en tout cas dans ce type d'exercice, de pouvoir recentrer sur la politique haïtienne en matière de réponse humanitaire et de donc personne déplacé et retourné en force dans la République dominicaine où ils ont fait toute leur vie. Et auprès des familles haïtiennes pour les assister, j'aimerais dire ici merci à nos partenaires, merci à nos gouverneurs pour leur générosité, et également merci au gouvernement haïtien pour avoir permis que nous travaillons de façon harmonieuse pour répondre aux besoins des Haïtiens et des besoins humanitaires. Je voudrais ici, Excellence, Monsieur le Ministre, inviter la communauté de nos partenaires et de nos donateurs à continuer de soutenir les efforts des institutions gouvernementales haïtiennes et à renforcer la résilience du gouvernement et de ses institutions pour pouvoir répondre, planifier et répondre aux catastrophes naturelles et aux besoins humanitaires. Haïti a toujours besoin de leur soutien, à la fois technique et financier, et Haïti a beaucoup plus besoin de leur accompagnement afin de renforcer les capacités du pays à planifier et répondre aux besoins humanitaires, mais aussi sa volonté de pouvoir faire sortir ce pays humanitaire pour engager les humains dans le développement. Le plan qui vous a été présenté aujourd'hui, mesdames et messieurs, haïtiens et malaisiennes, pendant l'année 2018, parmi les 2,8 millions identifiés comme étant ceux ayant besoin d'assistance humanitaire. Pour cela, la famille humanitaire demande à nos partenaires et nos donateurs de se mobiliser pour fournir une assistance à hauteur de 250 millions de dollars pour soutenir les efforts du gouvernement haïtien à fournir une assistance humanitaire et de manière cohérente et coordonnée. Excellence, Monsieur le Ministre, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans rendre un vivant hommage au gouvernement haïtien, ici représenté par les ministres Ariel Ferrand, Stéphanie Auguste et Émile Vincent, ainsi qu'à tous les responsables des départements centraux et les grands commis d'État, qui se sont tous mobilisés pendant des années pour accompagner la famille humanitaire dans les activités. Je voudrais utiliser cette opportunité pour faire un clin d'œil à Madame la ministre qui vient de se joindre à nous en nous souhaitant la bienvenue parmi nous. Je salue cette collaboration, Monsieur le Ministre, et à l'entente de mon propos, j'ai spécifiquement parlé de vous, de votre disponibilité et de l'accompagnement.
nous formons une seule et même équipe. Quand je dis nous, je parle de nos partenaires haïtiens, de nos donateurs et de nos partenaires financiers, de la famille humanitaire et de tous les acteurs humanitaires dans ce pays. Une seule et même famille. Nous formons une seule et même équipe. Et je suis convaincu que c'est dans la conjugaison de nos efforts que nous pourrons relever les défis et contribuer ainsi à soulager les souffrances des populations vulnérables. À vous, Monsieur le Ministre, à vos collègues ici présents et à l'ensemble des cadres haïtiens que nous avons le plaisir de rencontrer et avec lesquels nous travaillons au quotidien, je voudrais présenter mon remerciement sincère pour votre accompagnement et également souhaiter que cette collaboration aille en se renforçant et que les relations de travail harmonieuses que nous avons su développer puissent continuer au cours de l'année 2018. Je voudrais terminer mon propos, Monsieur le Ministre, en saluant ceux et celles parmi les membres de la famille humanitaire ici présents et à travers eux, les acteurs de terrain, ces soldats inconnus que nous ne voyons pas, mais qui vivent avec les familles et les communautés haïtiennes dans les endroits les plus reculés de ce pays et qui continuent au quotidien d'être à l'écoute et d'apporter à la fois l'assistance, l'écoute, l'accompagnement, l'empathie et la générosité aux personnes qui souffrent et qui nous devaient de la communauté. Le plan que nous avons présenté aujourd'hui est exhaustif, mais c'est juste un appel à la générosité de tous ceux et celles qui veulent l'accompagner. Sans appui. J'insiste aussi en disant que l'appui devrait passer par les structures gouvernementales, dans la mesure du possible, pour pouvoir créer les compétences, les capacités d'action. Et l'investissement de cette nature devrait aussi se traduire par la création de capacités nationales. J'insiste sur cet aspect parce qu'il est important que le jour où l'action humanitaire va se réduire et qu'on va passer à l'étape du développement, il serait utile d'avoir en face de nous et à notre côté les institutions haïtiennes compétentes, crédibles, animées par des hommes et des femmes bien formés qui pourront eux-mêmes planifier et prendre en charge le développement de leur pays. Ce plan de réponse humanitaire sera aligné sur la stratégie de l'UNDAF pour permettre de contribuer non seulement à la complémentarité des programmes, mais aussi pour soutenir les efforts des communautés à réduire les effets des chocs successifs subis depuis de nombreuses années. En plus du plan de réponse humanitaire, le gouvernement est engagé dans une dynamique permettant la réassurer qu'Haïti renforce sa programmation de développement pays humanitaire et renforçant les capacités de réponse aux urgences. Madame, Monsieur, même si notre engagement à tous reste éteint, cette situation défie nos efforts de planification. Je sais donc pouvoir compter sur l'appui des Nations Unies et l'engagement indéfectible des acteurs humanitaires pour venir à bout de ces difficultés. Au nom de Son Excellence le Président de la République, de Son Excellence Jacques-Pierre Lafontaine et en ma qualité de ministre de la Planification et de la Coopération externe, je me tiendrai à vos côtés. En toutes circonstances, et travaillerai de façon concertée avec vous, afin d'atteindre des objectifs plus grands pour le bien-être de nos populations et pour le développement d'Haïti. Les efforts du gouvernement iront dans le sens de rendre la croissance inclusive à travers l'accélération de la redistribution des fruits de la croissance, surtout pour les plus défavorisés. Très cher Dr Vino, mesdames les ministres, excellences les ambassadeurs, chers membres de la famille humanitaire, chers membres des institutions étatiques, Monsieur le représentant du CLIO, comme vous pouvez le constater, les défis sont nombreux et les chantiers afin que le plan de réponse humanitaire soit financé dans des proportions qui nous permettront de continuer à sauver des vies et à renforcer la capacité de résistance aux chocs et à l'autonomie des communautés, en rappelant que les cadres gouvernementaux, comme l'a si bien dit Dr Diallo, doivent être prioritairement utilisés. Et si donc, au nom du gouvernement de la République,
que j'ai la lourde tâche, mais aussi le signe honneur de représenter aujourd'hui, accompagné de mes collègues ministres et en synergie avec le coordonnateur humanitaire, je procède en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au lancement officiel du plan de réponse humanitaire 2017-2018 révisé pour la République d'Haïti. Tsuti, à travers sa branche aux États-Unis, est présente et a participé au secours et à prise en charge des sinistrés du séisme du 12 janvier 2010, d'où nous allons commémorer demain le 8e anniversaire au relèvement et à la reconstruction post-séisme. Notamment la reconstruction du collège Marie-Anne de Port-au-Prince. Et durant ses 10 ans de présence en Haïti, il n'a cessé de multiplier ses actions sociales, notamment la distribution des sacs de riz aux familles vulnérables, quartiers populaires et repas chauds dans les hôpitaux. Les archives ont beaucoup contribué au renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre Haïti et Taïwan. L'ambassade est heureux de pouvoir s'associer avec la Fondation en apportant un appui administratif pour faciliter ses actions humanitaires en Haïti. La Fondation bouddhiste Tsuti possède 2 atouts pour devenir l'ONG la plus importante de Taïwan. C'est la capacité de lever le fonds et le bénévolat. Toutes les opérations humanitaires de la Fondation sont menées par les bénévoles pour que les ressources collectées soient consacrées aux œuvres sociales. Mais c'est avec l'entrepreneuriat missionnaire qu'elle se distingue des autres ONG. Elle a ses écoles, les universités, pour former les médecins, les infirmiers, les ingénieurs et les bénévoles. Elle a ses hôpitaux et cliniques. Elle a sa propre chaîne de télévision. Elle dispose aussi le plus grand réseau pour une force pour venir en aide partout dans le monde. Mesdames et messieurs, c'est pour consolider ces œuvres en Haïti, mais surtout pour les rendre permanentes, que l'approche des États-Unis, de la Fondation Tsuti, a fait ériger la première maison de Tsuti en Haïti. Cette infrastructure servira comme maison commune pour accueillir les bénévoles Tsuti venant du monde entier. Je suis convaincu qu'avec l'appui de la grande famille
Tzu-Chi. L'approche haïtienne de Tzu-Chi devient de plus en plus dynamique et plus efficace pour répondre aux besoins locaux. Je souhaite le plein succès à USA Tzu-Chi Foundation, à l'approche haïtienne de la Fondation Tzu-Chi. Bonne et heureuse année 2018 à vous tous. Je suis là parce que j'ai vu les premiers pas de la Tzu-Chi Foundation. C'est à ce titre surtout que je t'interviens pour témoigner et de la grande admiration que nous avons pour cette organisation. La Fondation Tzu-Chi a été, depuis qu'elle est rentrée en Haïti, a marqué son passage par des actions d'éclat qui ont été réalisées. Je me permets d'en énumérer quelques-unes et qu'ils ont pu réaliser conjointement avec l'OECC. Ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, leur building est quasiment frère avec le building de la OECC. Ils partagent la même enseigne. Et dès le début, depuis 2009, je crois que cette fondation est en Haïti. Ils ont fait beaucoup dans la distribution. Je me souviens des volontaires haïtiens et de la fierté sur cela. Estime, nous avons été affectés sur les pour faire des distributions de riz, également à Lille, on a fait des distributions de riz. Mais les actions ponctuelles ont commencé, je pense, en 2010, avec la construction d'une fence, d'une barrière république de Guatemala à Pétionville. Et par la suite, arrive à notre tremblement de terre et la Tzu-Chi Foundation a aidé à la reconstruction de l'école Mariane, qui est une. It's January 11. It's a very, very significant day for us. Vivien, 11 de l'année 18, c'est un jour qui vient au point de l'histoire. Because. That struck Haiti 8 years ago. I do want to mention all the sad memories, but I want to say 8 years ago, after the earthquake,
because we are really so.